Place aux questions. Allez, bonjour tout le monde, c'est les Chitamen. Salut à tous. Salut. Allez, on se trouve donc avec le troisième route pour faire un défi particulier, un défi de la dernière saison sur Buzz Quiz World. Et on est avec notre ami Asdoun sur Skype. Salut Asdoun. Salut tout le monde. Ça va bien? Ouais, nickel. Bon, t'es motivé? La question de Lapin. Voilà, petit Lapin là. Donc nous sommes avec Lapinou, mais c'est sa copine. Hein. Voilà. C'est pas Lapinou, Lapinou est tellement mauvais. Elle est tellement mauvais que sa copine a décidé de jouer à sa place. Et on a Crucerius avec un de ses potes et notre ami cousin Hubert, Famas, qui complète la marche. Il connaîtra les questions sur le Moyen-Âge. Et donc on est 8, donc assez content parce qu'on a fait un petit un défi à l'arrache. Hein, genre, on l'avait prévu la fin de mars. Voilà. Pour organiser ça. Et c'est vrai que Buzz, on aurait voulu le couvrir plus longtemps, on aurait voulu en faire plus souvent, mais bon, on n'a pas le temps et puis il faut mobiliser les gens. Il faut que les gens soient là, mais bon, c'est bien. Crucio, ça a pu rejoindre avec son pote, donc ça, c'est vachement bien. Ça montre que c'est quand même un bon jeu, une bonne licence, et moi, j'aimerais bien que pour la prochaine génération, il le. Qu'on dirait. Ça joue. C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu à la con là? Qui est la fille de la célébrissime Judy Garland? Facile. Ah ouais? Aucune idée. Ouais, je vais mettre elle parce que j'en sais rien quoi. Ouais, c'est vraiment une question de fille ça. Ouais, mais c'est elle qui a choisi le sujet. C'est là. Et là, elle répond même pas. Ah si. Putain, un caramel, voilà, j'ai mis en. Elle dit que c'est bleu, putain, c'est bleu. Oh le château. Eh les gars, ça vous rappelle pas il y a l'année dernière quand j'avais fait 2 victoires à 0? Moi je me rappelle de la finale, c'est trop facile, après t'as pu sauter. Ouais, la finale, faut toucher sur tout le bouton. Finalement, c'est un bon questionnaire ça. Qui est le père du chanteur M? Ah bah c'est facile hein. Je sais pas, c'est Louis de Funès. C'est Louis la brocante. La brocante. Louis de Funès, attends. Louis Pasteur aussi. Donc un petit défi comme ça, ce qu'on va faire c'est que pour pimenter un peu l'enjeu, on va faire CTN versus CTF. Hein, donc si y a un abonné gagne, c'est le point va à la CTF. On coupe la vidéo. Si un des 3 CTM gagne, ça va au CTM et on fera 2 sessions. Alors, quelle beauté est la fille du chanteur Aerosmith? Ça va. Ouais, ça va. Comment ça, ça va là? Mais allez, les belles nanas, ça va, tu vois. Et là, je me plante comme un con. Mais j'en sais rien, quoi. Ouais. Je sais pas qui c'est qui Liv Tyler? C'est une fille qui est juste belle. D'accord. Elle est un peu actrice, je crois. Ok, un peu accessoirement. Un peu actrice. Sur MTV, quoi. 16 ans l'ancien. Est le père de la célèbre créatrice. Quel ancien Beatles? Quel ancien Beatles, comme ils disent inconnus. Ah, ça va. C'est Beatles. Le père de la célèbre créatrice Taylor. Eh mec, franchement, j'y connais rien. Eh, moi, j'y connais rien. Elle fait une collection pour Adidas. Sur le foot, un peu. Je suis un gros plot, hein. Au hasard. Hey Kevin! Je suis un brûlot moi. Kevin! Oh le hasard quoi! Tu vas faire fondre le buzzer! Hey, c'est pas le destin ça! Moi j'ai jeune au hasard aussi. Moi j'ai mis bleu au hasard aussi. Imaginez de sens, c'est un gros plot ce jeu. Ah, mais c'est des questions un peu intelligentes, un petit peu intéressantes, voilà quoi. Quelle est l'ordonnance de 45? Dans l'ensemble, on a des culs des mecs là, c'est bon quoi. Qui est le père de Peach et Pixie? Mario! Qui est le père? Allez. Sérieux? Mais Jigga, elle a pas de couilles, quoi. C'est bon, arrêtez. Ouais, je vais mettre c'est horrible là. Oh là là, c'est horrible les questions. On commence avec un questionnaire de merde. Hein. Le questionnaire voici. Ah, mais oh exactement quoi. Regardez, donc l'ami de Crucerius c'est Hélène, donc c'est a priori c'est une fille aussi. Hein. Donc on a deux filles. Hein. On doit avoir Sophie HD dans la team. Ouais. Sans tête. Mon synthétiseur il marche plus, accident de cheval. Qui est la fille de l'acteur de John Voight? Eh, faut arrêter avec ces questions à deux fronts là. C'est pour les filles. Mais oui. Et ça, comme j'en sais tellement rien, je vais répondre vert. Ouais, pareil. Moi aussi j'allais répondre jaune, moi je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être orange. Angelina Jolie? Sérieux? Elle a un père. Mais regarde, y a que la copine de Lapin qui connaît les réponses. C'est sur Wikipédia en même temps. Mais ouais, mais qui est sur Google. Il y a Lapinou à côté sur Wikipédia alors. Bah si, Lapinou il est sur sa tablette, il pose les questions sur Google quoi. Mais on s'en fout, on choisira les sujets, tu vois un peu. Qui est la mère de l'actrice de Blue? Eh mais j'en sais rien quoi. Zidane. Panzani? Il n'y a pas eu beaucoup de bleu. C'est quoi vraiment? Qui est la mère de l'actrice? Il n'y a pas eu beaucoup c'est de bleu du encore. Hasard. Moi je mets du bleu. Ouais, moi je mets le vert parce que j'aime bien. Je mets du vert aussi. Du vert, j'ai tenté l'orange. Ouais, mais c'est pour Marine Monroe aussi. Ouais, c'est vert, ouais. Putain. Ouais, c'est pas possible d'avoir autant de chance. Ouais, deux fois de chance quand même, c'est bizarre. Allez, les amis, on a ouais. Une petite. On posera des questions. Allez. C'est Famas le dernier. Une bonne réponse. Putain, et les filles devant. Bah, peut-être que chez Crucio ça triche aussi. Mais bien sûr que ça triche. Qui est la mère de Sharia Mastroianni? Kiara Mastroianni. Qui est la mère? C'est pas un hospitalier là-dedans là? Qui est la mère de. Ah! Oh putain, je comprends rien. Je comprends la question à moitié déjà. Si, c'est bon. Oh putain. Mais je sais pas qui c'est. Tout hasard encore. Apparemment, c'est ça. Voilà. Oh là là, ouais, là, c'est là, bon. Là 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 là.
C'est vraiment de la merde, hein. On va recommencer le défi, je pense. C'est une question, Heureusement qu'il y a une deuxième session, on va faire des vraies questions de mecs, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Tout de suite, quand on met des filles dans les jeux vidéo, ça flingue le jeu. Ça flingue tout, quoi. C'est immonde. Allez, bon, il est fini le questionnaire, là. C'est fini. Ouais. On change de thème un peu parce que. On va prendre un vrai thème. Ma chance légendaire me fait quand même arriver quatrième. Putain, c'est Famas qui va choisir quoi. Et Famas il va choisir quoi, tu vois. Famas il va choisir quels sont les fils d'eux, tu sais. Ah putain, alors. Géographie un peu quand on va rigoler. En ex-écho en fait. Ouais, ouais. Il n'y a pas de premier, tout va bien. Si. C'est Hélène. Non, c'est Laura. Elle a choisi. C'est la copine de la pince. Ouais. Putain. Lapin a pas voulu venir sur Skype parce qu'en fait il se faisait victimiser. Hein. Elle a eu 1500 sur 2000 donc elle a eu que 2 erreurs. Hein. C'est bien sorti. Oh putain, j'ai eu peur. Personnage de l'histoire, mec, s'il te plaît. Ah oui, là, t'as pas le choix là. Personnage de l'histoire. Ou ami ennemi, ça peut être marrant aussi. Ouais. Oui. Bravo, allez, Famas. Allez, enfin des questions de bonhomme quoi. Bon, les filles, c'est bon. Quel est le père d'Adolf Hitler? Dieu. Bonne réponse. Putain. Alors c'est quoi, c'est le premier à donner 6 bonnes réponses? Ah mais c'est bon, c'est le truc au... Température. Là. Alors si vous voulez voir responsable, c'est Héroune qui a trouvé Washquad. C'est pas lui qui l'a créé, mais c'est lui qui l'a trouvé. Hein. C'est, pas c'est comme le Harlem Shake des Juifs, c'est pas mal aussi. Quoi. Ouais, mais non, mais c'est chaud internet. Hein. Ah, c'est vraiment chaud. Les gens, en fait, c'est un arrière de génération où les mecs ont complètement... Ils voudraient que c'est cool nazi, quoi. Tu vois. Mais ça, c'est back-up, si vous voulez faire le logo. Dans quel domaine, Marie? Ah ouais, je connais. Je connais là. Attends, merde, faut que j'appuie rapidement. Et ou pas faut appuyer vite. Non, c'est pas rapidement. Ouais, mais si, quand il y aura égalité, faudra être le plus rapide hein, à la fin. Voilà. Si on enchaîne les questions rapides. Le 6ème, quand t'es le 6ème ou 5ème bonne réponse d'affilée, il faut gagner. Allez. Bien joué. C'est bien, ça fait des points. Attends, faut que je mette les doigts comme il faut là. Parce que ouais, attention là. Pareil. Plus connu, Louis. Oh putain. Voilà, oh, bon. J'ai fait de la merde, je crois. Oh là là, chaud. Attends, j'ai même pas répondu. C'était quoi là? Oh là, j'ai eu. Ah non, mais merde. Moi j'ai eu juste ça. J'ai même pas lu la question en fait. Chaud. Et Roud a eu juste alors que. Non, mais je sais que c'est Saint-Louis, mais en fait, dans ma tête, j'ai cru que c'était Louis XIV. Et quand j'ai lu la réponse Louis XIV. Il faut lire. Mais oui, j'ai pas lu la question. Attention. Ah, vous commencez à roussir. Ça roussit là. Il y a des roues. Guy fut brûlé sur le bûcher à Rouen. À Rouen, il connaît la Pinou. Là, c'est Francis Drake. Elle a fait un carton. Elle a pu nous connaître en rond là-bas. Et tout le monde on est même culturés. Ouais, mais je crois que c'est qu'on a baissé le son donc on n'entend pas trop les questions. Ah, attends, on est désavantagé par rapport aux autres qui entendent avant que ça s'affiche. Bah, bien sûr. Bah, ça dépend, moi je t'entends dans le casque, hein, tu vois. Ah, mais c'est encore mieux comme ça. Oula, c'est en train de laguer. Oula, c'est en train de charge lag. Ça lag switch, ah, y'a un lag switch. Qui a aboli l'esclavage aux États-Unis? Bim! Oh là là, comment c'est facile! Mais c'est easy. Je sais pas si t'as aboli. Ça brûle l'esclavage. Triste période. Hein. Pourtant, il y a toujours des noirs là-bas, non? Et hey, il sert à McDo en plus, hein, donc bon. Non, à KFC, à McDo, c'est pas autorisé, t'es fou, quoi. Non. Je suis pas le boss. Ça boue littéralement. Enfin, le cheval. Ah, c'est un défi placé sous le signe du FN, hein. C'est la flamme olympique, là. C'est parti. Et ça fait que lag switch, là. Lag switch, hein. Il va leur avoir des points, là. Qui a été jugé pour irradier un 636 à la Terre tournée? Bon, c'est facile. C'est... Ah, c'est lui! Bah oui, c'est lui. Bah oui. Oui. Là, c'est apparemment c'est pas lui. Hein. Non, mais Rude il connaît bien, t'as vu? Leonardo da Vinci. Non, il a été jugé pour hérésie dans une chicode. Il est mort là-bas avec François 1er. Le nouveau pape. Attention. C'est la switch. Ouais. C'est quoi la question? Au règne de quel roi d'Angleterre associe-t-on Robin des Bois? Ah, facile, hein. C'est bon. Mais pourquoi ça marche pas? Attends, j'ai cliqué. Ça marche pas! C'est quoi là? C'était Richard Cœur de Lion là! Ça a bugué, putain! Je l'avais mis! C'était la dernière, c'est pour ça! C'était parce qu'en fait c'était le premier! Oh putain, c'est des tricheurs! C'est la douche froide! Putain, mais j'avais appuyé, ça a pas marché quoi, chaud! C'est ce qu'il entend la question! Mais il se passe quoi là? Mais on gagne des points! On gagne des points, mais d'accord! On gagne des points, je crois que ça nous enlevait des points, c'est un nouveau mode! Alors, 1900, est-ce qu'il va rester premier? Première? Ouais, ouais, putain, bah même passer deuxième l'autre! Non, c'est Antoine, il va passer premier! Antoine va gagner! Oh là putain, moi je vais rester avant-dernier. Putain, je perds une place, ça se me passe devant. Okay. En fait, les trois systèmes derniers, il y a Famas qui s'est perdu, à mon avis, s'est trompé de jeu. Chaud. Famas, on l'a pas sur Skype malheureusement, mais bon, on aurait bien rigolé avec lui, je pense. Hein. À mon avis, ouais. Sinon, quand on avait récupéré Aldo ou Kroons. Ça fait je sais pas ce que c'est. Alors. Allez, ça. Deuxième. À vous tracer ses attributs. Ouais, enfin. Moi j'ai acheté les DLC pour un nouveau personnage. On dit les attributs de Momo, quoi. Oh, le pinceau. Le peintre, l'artiste. Il est dans la minutie, la précision, tu vois. Alors, qui c'est qui choisit? Putain, c'est moi. Ville, Lille 1, comédie, musique rétro. On va prendre Ville, non?
Azdoun, c'est lui là. C'est Doudou là. Le qui monte ses couilles. C'est Doudou Galak là. Le nudiste, ça. Bon, j'ai pris ville et j'en sais rien, c'est quoi. En plus, c'est des défis. Oh là là. Ah, c'est là on doit parier. On doit parier gros là. En gros, faut parier 500 quand t'as un petit kiki, t'as un petit moment en fait. Chaque fois on parie 500. Après, ça va être de rapide alors, je pense, non. Ouais, rapide, attends, rapide flex. Pourquoi y'a que 5 épreuves? C'est normal qu'il y ait 5 épreuves. C'est pas l'épreuve courte qu'on fait ou quoi là? Enfin, je sais pas. On choisit pas en ligne, je crois. Y'a pas de bombes et de tartes et tout ça en ligne. Ouais. Mais je crois qu'il y a un. Si, il y avait des fois, mais on peut. On verra, au pire, on coupera et on verra. Stade. Avec les boutons sportif. Stade sportif. Ouais, je pensais à Berlin là, tout ça, à la bonne époque. Regardez. Regarde, lapin avec sa copine. Sa copine qui s'est. Je vais mettre 50. Elle a mis 50 là. Et elle le regarde, elle fait, tu sais, ouais, je sais. Ah, regardez ça. À Rouen, ça joue petit quand même. Ouais. Allez, attention. Stade de France. Oula. Ah, c'est bon, j'ai une petite idée. Attends. Ça peut être qu'à un seul endroit. Bon, c'est pour les JO, non? Bah ouais, je pense. Je pense à... Clique, ouais. Clique pas, elle a perdu, c'est bon, elle est perdue. À mon avis, c'est Wembley, quoi. Ouais, je pense que c'est Wembley. Belfast, t'es perdu, toi. Non, mais moi, j'ai cru... Déjà, Belfast, ils n'ont pas d'argent pour construire des routes goudronnées, donc... J'ai cru que c'était un genre un peu un Wembley, non? C'est pour les JO? Au début, je pensais Paris ou Berlin, tu vois, mais quand les... Allez. Ah, ça met tout le monde d'accord, ça commence à remonter là. Caramel est dernier, malheureusement. Allez, monument, oh, je connais là. 500. Statue de Pétain, je connais. Allez. Vous savez comment faire. Allez. Allez, comme ça, joue petit là. Ah, du coup là, c'est bon là. Un wagon. Antoine, il joue. Wagon. Il joue petit là. Ce cher wagon. Allez. Vous placez tous là-bas. Vas-y, c'est là-bas. C'est bleu. Oh putain. What ça. Comment s'appelle la version numérique des fonds de cette grande bibliothèque? Ah, quand même. Ça non? Je crois que c'est ça. Mais... Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, moi non, j'aurais pas dit ça, tu vois. Vas-y, t'as plus de temps. J'aurais dit autre chose, tu vois. J'aurais dit Gutenberg après, tu vois. Moi j'ai mis Gutenberg. Ah, c'était quelqu'un de sérieux, quoi. Ah, on perd 700. Eh, mais quel château, lapin! Eh, mais non, mais c'est pas château. C'est Crucius. C'est Crucius. Ah non, ça va, oui. Ça va, donc c'est pas lapin. Oh, c'est abusé là. J'ai beaucoup de points. Parce que Universalis, c'était un truc qui existait avant Wikipédia, je crois. Bah oui. Ouais, c'est ça, c'était les encyclopédies. Bah oui. Célébrité. Oh putain. Ouais. Mais attends, on est dans une thématique ville pourtant. Ville. On a fait ville. Ah ouais, d'accord. J'ai mis 500, même si je disais pas. Ouais, mais faut toujours miser 500, on s'en fout. Quand il y a pas 500 en gros sur le compte. Crédit. Ah, Staline. Staline. Moscou. Staline. Goulag. Qu'est-ce que l'Allemand Matthias Kuhn a fait sur cette place? Il s'est mis tout nu. Il a découvert un tunnel secret. Il a fait atterrir un avion. Il a tiré sur président. Il a créé un construit. Oh, attends. Je pense c'est un fast food. Moi, je dirais ça. J'y vais pour le LOLs. Moi, j'y vais avec le fast food. Moi, j'y vais avec l'avion. Moi, j'ai mis. Ah, en 87 tunnel, ouais. Moi, je sais pourquoi. Tunnel. Ah, putain, merde. Moi, j'ai fait atterrir dans l'avion. Voilà, ouais. Moi aussi. Bah, c'est l'avion. Chaud, j'ai eu de la chance. 87, parce que j'ai lu 1887. Je suis ah, tiens, c'était marrant. En fait, non, c'est chaud. C'est 1900. Mais j'ai eu de la chance. Parce que c'est vrai que le premier McDo, c'est. Azdoun, je crois que le premier McDo, c'est quand même après la chute du mur. Hein. Ouais, c'est dans les années 90. Ouais. De toute façon, ce serait pas un Allemand qui l'aurait fait. Oh. On sait jamais. Ta femme, elle s'y remonte, hein. Ah putain, ouais. Il est passé de la pinou, elle a chuté, chaud. Eh, la caramel, elle a des points aussi. Architecture, je connais Guggenheim et tout, là, t'as vu. Je peux miser 500, j'ai rien à perdre. Bah, bien sûr. Regardez, la copine, elle a peint. C'est qu'elle a perdu, de toute façon. Ah, comment nous, on est passé déjà premier, quoi. Je suis combien, troisième? Oh, ça va. Et caramel, c'est le meilleur. Heureusement qu'on peut pas creuser. On l'a pris. Attends, dans quelle ville peut-on admirer l'architecture de Gaudi? C'est qui Gaudi? Facile. Gaudi. Ah ouais, c'est Berlin. C'est l'inachevé. Tu sais, c'est l'équipe qui a battu le Milan AC là. Gaudi. La remontada. Ah. Voilà. C'est bien la Pinou. Bien la Pinou. Heureusement qu'il y a Roud, hein. Moi j'ai lu Gandhi déjà. Je suis le meilleur architecteur de Gandhi à la limite. Mais comme j'ai pas vu Azne réagir, j'ai dit Bruxelles, c'est pas possible. Berlin non plus. Donc. Collioure, c'est, sachant que c'est pas une ville. Donc, Ouais, c'est clair. Là, il a, c'est la cathédrale inachevée de Gaudi à part. Je crois. Ouais. Sur quel sujet une photo. Ah, monument. En tout cas, j'aime bien la thématique ville. Moi, je m'attendais à voir des grandes villes, genre quelle est la plus grande ville au monde et tout. Non, j'ai vu que de merde. Des photos, tu sais. Voici Mexico. Est-ce que c'est Mexico? Allez, attention. Allez, cap. Hey. Tu peux la passer devant, là. Tu passes devant. Oula, là. C'est en France. Rome. Ah, la Rome. Roma. C'est la map de Assassin's Creed. Laquelle a été retirée de ce monument après y avoir été inhumé. Par... Donc, c'est en France déjà. Ah, c'est les Amérides alors. Aux grands hommes. Aux grands hommes. C'est qui? Ah, putain. Oh, putain. C'est lui, non? Non. Oh, ça doit être lui. Ouais, ça. Oh, je monte. Oh, j'en sais rien. Ouais, moi je dirais Mirabeau le collabo, tu vois.
Ouais, j'ai misé sur Mirabeau. Voilà, ah, oui, il a fait de la traîtrise un peu après la révolution, tout ça, t'as vu. Donc ouais, c'est ça. Ils l'ont viré, je crois. C'était le plus polémique en fait. Ouais, voilà, ça, ils l'ont viré. Allez là, comment nous on passe bien devant Akazdoun là. Hop là. Eh non, mais les deux gros Sirius ils ont Google hein. Non, mais ils trichent. Bah, ils jouent à deux donc. Ils ont deux cerveaux, enfin un quoi. Comme la peine est en wifi, mais du coup ils captent pas toutes les bonnes réponses. Allez, on s'en fout. Faut parier là. On est là pour jouer, t'as 100. Il a pas le petit qui mais oui. Ah, sa copine, elle a tout. Il garde tes trucs un peu là. Ah, bah alors voilà. Gaudi. Voilà Barcelone. Et oui. Mais bien sûr, c'est. Bah voilà. Mais si c'est l'autre, c'est l'autre. C'est clair. Hein. C'est Picasso. Pablo Picasso. Ah non, voilà, Picasso, là, il y aurait des morceaux partout. Et lapin qui galère encore, qui a pas encore pris la. Oh, joli lapin. On a eu la réponse tout à l'heure. Il verra quand il verra la vidéo. Que des fois les questions sont liées. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il mettait pas la photo tout à l'heure, justement, tu vois. Allez, c'est fini, je crois, pour ça. Et du coup, il va maintenant une épreuve de vitesse. Et tu passes devant et la copine de lapin est dernière. Voilà, il y a une justice quand même, tu vois. Ah, dès que ça part un peu culture, un peu art, un peu comme dès ça. Dès qu'on est parti de Rouen ou de Voici, là, c'est fini. Il y a plus personne. Alors, elle va nous trouver ignoble, je crois, mais. C'est les Prusurs Family qui sont premiers. Ouais. Oui, c'est de l'humour. Il y a pas de. Voilà. Il y a rien de personnel, hein. Exactement. Enfin, pour l'instant, quoi. Ok, Vin, troisième. Attends, le but ici, c'est d'accumuler les points. Hein. Parce que la session finale, c'est tu cliques sur tous les boutons. Donc, tu cliques sur tous les boutons. Il est où Azdoun, il est combien? J'ai pas vu 4. Okay, dans les 4e. Ouais. Ah, c'est bien. Je te talonne à 50 points. On est bien, on est chaud bouillant là. Là, il va falloir répondre rapidement. Ouais, c'est l'autre qui va choisir le topic et voilà. Sitcom. Ah, choisir sitcom. Allez, les anges de la télé-réalité 6. C'est sûr, voilà. Mais allô quoi, ça va être trop ça. La guerre de 78. La guerre mondiale de 78 quoi. Mais allô quoi. Oh, bon chier là. Ah non, bon, là, stop chrono, donc là c'est chaud, c'est bon. C'est un bon petit thème ça, c'est-à-dire que faut que tu cliques plus vite pour avoir plus de points. Ici, comme on les connaît, tu vois, H et tout ça, c'est bon. Ouais, j'en connais deux. Blague à part. H et blague à part, quoi. Allez. Caméra café, peut-être. Bah, mais là, c'est plus voir, c'est dans le monde entier, tu vois. Ouais, c'est un. C'est sitcom roumain. C'est sitcom roumain des années 50, quoi. Plus belle la vie de Roumanie, tu vois, genre. Elle est pas plus belle la vie. Allez. Allez, vas-y, moins cher. Dommage qu'ils actualisent pas les questions. Quoi. De Canal Plus sont-ils partis? Ah! Ça fait plaisir! Ah, quoi. Voilà quoi! On reconnaît tout de suite, c'est pas la rapidité. 489 chez moi! 485 pour moi! Ah, chaud, j'étais le plus rapide! Pareil! Y'a une justice, tu vois, direct, on parle de H. Ah, H, mais bon, H, je sais pas, comme si on l'avait vu 10 millions de fois et que ça passe toujours sur D8, maintenant, nouvelle chaîne. Ouais. La TNT. Alors. Hop, ensuite. C'est pas des changements. Ah. Personnage de Friends. Oh putain, c'est quoi ça? Cette activité pour ah, ah oui, bah facile. Vas-y, dis, petit. Voilà. Bah oui, c'est elle, bien sûr. Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Là. C'est Phob. Non, c'est une fille. C'est Phoebe. C'est Phoebe. C'est Phob. Oh là là, Famas, il connaît pas. Dans le Moyen-Âge, y'a pas la télé. Lui, RSS, y'a pas la télé chez lui. Il a vendu. Et en noir et blanc, y'avait que Staline. Je sais. Lequel des héros de Friends est allé une fois nu dans un sauna? Oh, y'en a qu'un. Bah ouais, c'est elle. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est lui. Mais Alors si t'es trompé alors que tu les connais normalement... Oh, putain. Je crois que c'est dans la saison 7, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ah ça. Ouais. Oh non, putain. Et t'as mis quoi, t'as joué? Ouais, ah, ouais non, je pensais non, que c'était le seul idiot pour faire ça. Ça aurait pu aussi, mais non, je crois que c'était... Il l'a fait dans la fontaine. Je crois que c'était quand il était avec le père de Monica, comme ça. Ah putain, passe devant. Putain. Allez, qu'est-ce que tu sur une sitcom, t'as pas honte? Sur H encore. Oh non. Si. Ah. Ah ouais. Si tu le dis. C'est une des séries les plus honteuses de toute ma génération, mais je l'ai jamais vue. Je vois les génériques. Vous avez zappé. Non mais elle est ignoble, ce série. Hein. Ouais. Aucune idée, tu vois. T'as jamais... Moi j'ai déjà... Des fois j'ai zappé sur Comedy Plus, là. Ah ouais, mais toi t'es un riche, t'as toutes les chaînes. Bah attends, Machinima, quoi. Machinima, attends. Comment s'appelle cette actrice américaine d'origine Je sais pas, mais j'aimerais bien savoir. Oh, ça va être elle, là, non? Ouais, parce que les autres, bah, on est compte, les autres, c'est pas possible, quoi. On connaît les autres, quoi. Il y a qu'une chance, quoi. Ils sont pas trop ukrainiennes, quoi. Oui, ah, mais au niveau du chrono, faut voir combien on a de points. Ça fait pas beaucoup de différence. Ouais, mais bon, ça engrange des points, c'est le principal. Ouais. Ça gagne de l'oseille. Et ça permet de suivre aussi la cadence, quoi. Même sans doubler, tu te fais pas doubler, quoi. Dans quel grand magasin emblématique londonien trouve-t-on ce genre de produit? Mais c'est une sitcom, ça? Bah oui, c'est facile, c'est Rhodes. Maintenant, la réponse.
Et non, c'était Mark Spencer. À McDonald's dans la 2000, il y en a parfois des tasses gratuites. Là, c'est trompé, lapin. Ah mince. Il aurait dû être sur Skype, il aurait les bonnes réponses. Pourtant, la vaisselle, c'est un truc de femme. Ah mais là-bas dans la roue. Ah mais la vaisselle de luxe non, je mange par terre. Ah c'est un carton. La version française, c'est une blague. Sérieux? Ouais, hasard. Bon, je vais mettre ça vraiment parce que j'en sais rien. Moi j'ai mis ça parce que voilà quoi, vraiment. Ouais, pour assurer sur les points quoi. J'ai mis le point. Ouais, parce que à mon avis, Crucirus, Roger Hanin, pas trop, t'as vu? À mon avis, il a plus trop mal aux dents, non? Je sais pas. Et Lapin aussi quoi, parce que Roger Hanin, à mon avis, il vit plus trop. Il est pas encore mort, si? Non, mais bon. Bientôt. À moitié quoi. Bientôt ça arrive quoi. C'est imminent quoi. C'est en cours. Hôpital militaire mobile. Je pense que ça va être ça, non? Ouais. Ah merde, je suis trop con moi. Cosbichot. J'ai mis ça, mais j'en sais rien. Ah, je suis chié là. Mais dépêche-toi, t'as plus de points après. Ouais, je sais pas. C'est ou... Mais c'est pas le Cosbichot là. Je t'ai dit, le jaune. Putain, c'est un gars quoi. Le Cosbichot. Cosbichot, c'est un prisonnier, je crois. Chaud. Le Lapinouchot quoi, c'est pareil quoi. Ouais, je passe devant là, non? Ah merde! C'est fini? Ah putain, je reste quatrième quoi! Ah ouf! Ah, c'est tendu hein! Ouais, je crois que c'est fini, ça va être la question là! Avant de passer à la dernière manche! Ah. Ouais, là va falloir appuyer dans tous les sens! Voilà, là, putain, il faut ruiner, là! Heureusement que les autres sont pas au courant quoi! Les autres ils vont essayer de répondre à la question! Ils vont essayer de réfléchir alors qu'il faut appuyer sur tous les boutons, faire probabilité bleu, jaune! Bleu, quand c'est jaune, après c'est plus vert et tout! Il faut être le premier à appuyer pour monter, vous savez comment ça marche, c'est du buzz, c'est chaud! C'est bien que tu sois honnête sur ta victoire de l'an dernier, Gérard. Non mais moi, c'est comme ça qu'on joue à Buzz. Hein. La finale, c'est ça. Hein. Les 4 premières manches, on joue sérieux pour maximum de points. Et la dernière, la finale, c'est n'importe quoi. Au petit bonheur, la chance. Hein. Donc, le principe de la finale est assez bizarre parce qu'il faut appuyer quand même. Ouais, c'est un petit peu du faux. Même quand tu sais la réponse, si t'as un connard à côté qui appuie, qui a la bonne réponse, tu rages sec parce que toi, t'as réfléchi, t'es... Tout ça pour la fin, pour gagner une mise soucoupe volante. C'est clair, réponse sans S. C'est la Gnou qui a fait les trucs. Bon, on essaye de pas mourir en premier, c'est surtout ça. Ouais, voilà, c'est pas tomber à la trappe. Hein. Bon, a priori, Lapin il devrait vite. A priori, Famas ou Chou, il commence en bas aussi déjà. Hein. Faut écouter les questions. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Ça lag, ça charge la finale. Ouais. Le public le dit de la Wii U. Attention, on monte. On monte pas trop du côté. Il y en a qui montent pas trop. Hein. Il y en a qui ont le vertige hein, du côté de Lapinou. Il est simultané ou quoi? Car l'horloge tourne. Oh, mais c'est pas le dernier. Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Elle monte pas? Ah putain, chaud. Je vais monter. Si elle monte. Eh merde. Attention. Sur le visage de quel Attention. Pourriez-vous voir les lèvres de Louisville? Allez, oh putain, j'ai fait bleu. Putain, j'applique au hasard. Premier bleu. Et là, allez, caramel, voilà, ça y est, début de la victoire, allez. Ça y est, quand même. Orange ou vert. Allez, plus longtemps, allez, attention. Quel artiste associe-t-on le plus souvent au cubisme? Ça, je sais quand même. Oh, c'est pas lui. Oh, c'est bleu encore. C'est encore Picasso. C'est encore bleu, tu vois. Mais putain, je l'ai pas. Je voulais appuyer sur le bleu. Ah, donc cette fois, il y aura plus de bleu cette fois, c'est bon. Tu parles. Bleu. Oh là, c'était pas le vert. C'est pas le jaune. Je me suis planté aussi, j'avais fait vert. C'est le quoi? Putain, j'ai fait orange vert en même temps. Oula, Lapinou s'est sauvé. Simon, caramel. Mon avis, c'est fini. Attention. De foot australien. Ah oh non. Putain, c'était bleu. Mais oui. Moi, je connais. Putain, je veux bien. Ouais, mais dès qu'on connaît, ça marche pas. Voilà. C'est qui premier? Caramel éliminé. Caramel, au revoir, caramel. Dernier. Au revoir. Merci. Salut. Quand on chacun la compta, tu repars chez toi. Allez. Quel nom donne-t-on à la figure qui consiste dernier, orange. Vert. Oh, c'est pas le vert, c'est pas le vert. Ah là là, Doudou. Oh, Laura est finie. Simon aussi. Encore le bleu. C'est un scandale là. C'est un scandale ce jeu de merde là. Allez. C'était des faits exprès, c'est une stratégie pour que je vous nique tous. Putain, avec que du bleu quoi. Attention, faut gagner là. Doudou, il a chaud aux fesses. Le temps de réponse, alors ne traînez pas. Ouais, j'ai vraiment chaud là. Oh oui, oui. Oh oui, j'ai appuyé. Je suis premier. Non, j'ai appuyé. C'est pas fini. Quel est l'autre nom du... Le deuxième, le orange. Ah non, c'était pas l'orange. C'était moi aussi, j'ai mis le tennis de salle. Ah, de table, pas de sable. Non, mais je sable. J'ai mis orange. Attention. Allez. Attends, on sent ceux qui appuient. On sent ceux qui connaissent aussi, hein. Oh, lag switch. Ah, ça lag. Ah, ça t'échange les mauvaises réponses là. Moi je me retourne avec Kevin. Allez, ne nous flingue pas la partie là. Ce qui ne porte pas malheur au théâtre. C'était pas ça. C'était le bleu encore. C'est vrai. Une souris. Ouais. Une souris. Et les CTM sont en bonne posture pour gagner le championnat. Oh là, terrible. C'est pas la Citadel League hein. Ah non. Jean-Michel Jarre.
Je m'en fous, je clique. Mais ouais. C'est que du bleu, c'est un scandale. Ouais, putain, c'est quoi ce jeu de merde? C'est... Allez, en plus celle-là, là. Au revoir, Antoine. Chaud, c'était une finale. En fait, bon, a priori, les 7 Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Elle peut nous mettre la misère. Hein. On est sur le podium, mais c'est fini. Ouais, ouais, je vise le jaune. Non, c'est le bleu, ça va être le contre le Derby County. Eh non, c'est pas le jaune. Nottingham. Oh, ouais, putain, triche. J'avais la réponse, Nottingham. Oh putain, j'ai perdu. Je suis en finale. Allez, 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 allez. Allez, Crucianus. Allez, allez, Giga connard. Putain, c'est avec Switch. Ah, mais fait que la Switch aussi. Fait que la Switch là. Ah, mais n'oublions pas que Sirius ils sont deux là pour réfléchir. Allez, pour je prie tout sur le vert. Attends, on sait peut-être hein. Ouais. Non, je vais faire le vert, je m'en fous. Attends. Oh, ah, la question là. Allez, s'il te plaît. On va pimenter un peu tout ça, les amis. Ça descend encore plus vite maintenant. Parce que c'est la fin. Ouais, c'est fini, Giga. Réduit. Robert Baden-Powell. Au hasard. Oh, au hasard, au hasard. Le vert, le vert, le vert, le vert, le vert. Eh non, c'était pas le vert. Oh, ils vont pas. Oh, j'ai gagné. Oh putain, j'ai gagné. Oh, le Trizo n'a pas répondu. J'ai gagné. Égalité. Bah non, vous avez... non, non, j'ai gagné. Non, égalité, c'est... il reste question. Une dernière question. Dernière question. Vert. Dernière question. Attention, finale terrible. Le premier candidat qui donne, le premier candidat qui donne la bonne réponse a gagné. Remporte la victoire et le battle. Écoute. De quel groupe Ali Campbell est-il le chanteur? Lui sorti. Allez! J'ai répondu, bande de connards! Quoi? Mais j'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Ce fake! Chaud! Bon! On va remplacer la Titanic par du buzz, hein! Alors rendez-vous tous les dimanches! Putain, on aurait pu faire ça, c'est vrai! Qui c'est le patron, quoi? C'était un peu mieux, quoi, on aurait pu faire ça! Allez, on va faire une deuxième session, quand même, parce que c'est quand même un jeu de folie! On aurait fait du bon question pour un champion, là! Non, mais c'est vrai que ce buzz, franchement, il devrait continuer à le. À le nourrir de petits. Ah, mais c'est convivial, c'est cool, quoi, c'est génial. Mais tu vois, les questionnaires de Quizworld, ils sont. Bon, c'est marrant, mais c'est quand même. Un peu moins classique, on va dire, que le ouais. Malin des Français, quoi. Nous, ce qu'on adorait, c'est quand Hooper faisait les 1 contre 100, là, les thématiques de vidéo, là, c'était quand même pas mal. Et c'est vrai que PlayStation, ils ont pas misé sur ce côté. pas social gaming, mais ce côté vraiment bon enfant et casual gamer, télé, quoi. Ouais. Télé, ouais, vraiment la convivialité. Oh putain. C'est pas... j'ai gagné une bouteille de champagne et le mec il se fout dedans. Regardez ce con là. Putain. Incroyable. Hein. Encore un Rouennais quoi. T'es le boss du 7-6 quoi. J'ai la version du 7-6. C'est chaud quoi. La version collector. Bon, en tout cas, voilà. Bon, mais bonne session. On en fait une autre hein. Ouais, on en fait une autre. Hein. On enchaîne direct. On va faire une partie direct. C'est parti. Pour faire une partie, j'espère qu'ils vont rester là, les amis. Donc vraiment buzz, un truc de folie. On verra si on pourra continuer à en faire des fois, tu sais, de temps en temps. C'est ça, marrant buzz. Faut juste mobiliser les troupes et c'est bon quoi. Bon, j'espère qu'ils peuvent être là. Merde, je suis moi. T'es à gauche en fait. On a changé. Ah d'accord, je suis là. Donc ils ont réservé. Il faut voir s'ils continuent ou pas. Attends, on attend qu'ils arrivent. A priori, il en manque un. Il manque peut-être Famas ou je sais pas. Peut-être Famas pour buzzer, ouais. Qui c'est qui est là? Les deux Crucerius sont là. Famas c'est là, donc c'est Lapin. C'est Lapin. A priori, Lapin à Anama. Arashkit. Mon avis, ça sent. Envoie-lui sinon un message PSN. Vas-y, envoie vite avec la manette là. Mais allez, attends. C'est pas grave, on va l'allumer. Ah merde, attends, on a pas le temps là. Oh, on a pas le temps. Ouais, merde, chier. Bon, sinon, c'est pas grave, hein, ça change pas grand-chose. Hein. Attends, au lieu de tomber avant-dernière, bon. Bon, attends, c'est trop tard. Non, c'est dommage. Trop tard. Bon, ouais, tant pis pour elle, hein. Ou lui, je sais pas, comme ils veulent. Ah, encore du temps. Vite. Go, je dis go. Go, une dernière. Hop, allez, vas-y. Cette fois, c'est toi qui joues. On serait bien qu'il puisse rejoindre. Que je sois pas dernier. Voilà, c'est vrai que. Non, bon, t'as pas été dernier. C'est Caramel qui est dernier. Non, j'ai pas été dernier. Non. Allez, Buzzer Buzz, vas-y, essaye. Je ferai prêt et après tu feras prêt, comme ça pourra nous faire un gros gagnant. Peut-être que ça va remettre. Et là, ça nous exclut de la partie, tu sais. Tout va mais bien. Mais non, mais ça va nous exclure si on fait pas valider. Parce que là, si je fais précédent. Est-ce qu'elle rasquitte le game? C'est vrai, elle rasquitte le jeu. Moi, allez, on attend. Je suis prêt. Ah, là, du faire retour. Ouais, moi je suis prêt. Parce que sinon, on va être foutu là. Attendez que d'autres joueurs terminent la partie, démarrent. Bon, c'est bon. Bon, mais tant pis. Bon, mais tant pis pour toi. Merci d'avoir participé à la première session, la copine de. Ouais. Et puis Lapino a fait le kikimou, je pense qu'il a eu peur. Hein. Ouais, il a fait le petit kikimou. Bon, on remercie d'avoir répondu présent aussi parce que ça nous fait toujours la. Merci, elle a bien choisi bien. Le Brumetem Collector. J'espère que je choisis un peu. Les fils de. Ah, j'espère que c'est Caramel, ça serait mérité un petit peu le pauvre. Ah oui, vu sa performance, il mérite amplement de jouer tous les topics. Ah, je pense pendant 3 parties au moins. Quoi. Après les présentations, on peut y aller. Ah, c'est bon. Allez. Allez, vas-y, on est chaud. C'est le bon buzz. Donc j'ai déjà gagné une fois, donc c'est bon. Hein, c'est qui? J'ai rempli l'objectif. Alors c'est marrant parce que. Ah, c'est venu sur Asdoun. Mais non, en fait. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas. À remplir les blancs, ça peut être pas mal. Ouais.
Parce que chaussures célèbres, merci. Il y a une chaussure qui s'appelle Janine, quoi. Non, mon avis, c'est comédie ou remplir les blancs. Ok, comédie. Ah merde. Mais il n'y a pas que le bouton buzz, là, tu sais, qu'il faut appuyer sur les photos quand ça y est, là, en plus. Là, ouais, mais parce qu'en fait, c'est pas le bon buzz, et et comme c'est un buzz qu'on a pris, là, je crois que c'est parce que tu prends des buzz 45 minutes ou des buzz 25 minutes. Non, mais en ligne, tu choisis pas, je crois. Ouais, parce que je y a pas les tartes et tout, il n'y a pas le vol non plus de points. Ouais, elle ne fait aucune faute d'orthographe. Allez, c'est l'heure de jouer à comédie, on va voir ce que c'est. Il y a tellement de sujets en fait avec tout ce qui est des trucs, des jeux de mots et tout, ils ont fait des milliers. Ils avaient fait des petites thématiques hein, sur le jeu vidéo, etc. Le cinéma. Non, on n'a pas tout fait, il y en a tellement. Avec les boutons colorés. Allez, on va voir ce que ça donne les questions. Tu peux même créer des questionnaires. Hein. Ouais, tout à fait. Les Mike Buzz, les Mike Quiz là. Quel est le nom de ce personnage déjanté, homonyme d'un célèbre chien de dessin animé? Bon, ça va être facile ça. Sympa, c'est ça commence fort. C'est quoi? Moi je vais mettre lui, mais j'en sais rien quoi. Bon allez. Ah ouais. Ah bah ça gagne. Okay. Putain, mais il avait cru Sirius et il a pas choisi au hasard. C'est ça. Mais c'est une amie à lui hein. Ou un ami, comme ça, il aime bien. Ça rentre tard. Dans le doute. Quelle est la marque de sa voiture boostée? Ah, ça fait easy quand même. Bah oui. Là, celui qui répond mal. C'est écrit devant. C'est bon. Coup de génie. C'est une Lada. Ouais, la Lada, ça pouvait passer à une certaine époque. La Lada et RSS, c'est les mêmes. Bon. Bon, je vois pas quand on sait comédie, ça fait un Weaver comédie. Bah, par rapport à une film ou une série, peut-être. Ouais. C'est très large en fait, le nom. Oh, putain, y a-t-il un avion dans la trompe ça là? C'est Leslie Nielsen, je crois. Ouais. Si c'est lui qui faisait ouais. Y a-t-il un flic Je sais que c'était Nielsen. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il tout ce qu'il y a-t-il quoi? Tout pour sauver le président. Quelqu'un est passé en mode. Je crois qu'il est mort. Ah, je sais pas. Tu crois? Ouais, il me semble bien. Bon, après, s'il est vivant, il le dira en commentaire. Ouais. Il viendra liker la vidéo. Son orang-outan. Ah oui, ça me dit quelque chose. Moi, je vais mettre ça, mais je suis pas sûr. Hein. Ah bah, même si c'est pas du tout. Ouais, moi, je mettrais ça parce que c'est rigolo, tu vois. On y croit à tous et non. Oh là là, Famas, quoi. Putain, Famas, c'est n'importe quoi. Doux, dur et dingue. Ah, mais Famas, il a pris le livre comme ça. C'est bizarre comme on dit. Ouais, c'est bizarre. C'est plutôt des films de certaines catégories. Quoi. Ouais. C'est ça les questions pour adultes. En 2001, il a incarné Tom, l'ami de quelle personne tenant un journal intime? Qu'est-ce que c'est ça? Tom Bolton Jones, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais, je crois, Franck. C'est beaucoup moins marrant, c'est pas une comédie. Je sais qu'on a des tendances un peu allemandes, mais dire que Anne Frank c'est une comédie. Ah, c'est la chute est tellement drôle. La chute, oui, c'est le cas. Ah, c'est une vraie chute. Chute à l'arrière. Avec quel acteur? Oh putain, Roger Hanin. Il a rien compris, t'sais. Mais c'est Thierry Roland en obèse. C'est qui n'empêche plus une chose. Franchement, c'est une blague. Avec quel acteur américain a-t-il joué dans Dirty Rotten Scoundrels? Si t'en connais un des quatre, tu me dis. Ouais, je vais mettre Steve Martin, ça fait bien américain ça. Je mets le vert. Moi, je mets le vert aussi. Ah, non, là, je connais pas, je suis désolé. Hein. Il ressemble au Alfred. Ah, tu vois, ça fait bien bien joué. Steve Martin dans Batman. Mais c'est Alfred de Batman. Hein. Aux joueurs unis. Ouais, c'est Alfred. Bah, on va dire qu'il s'appelait Alfred et c'est bon, tu vois. Quel acteur, on s'en fout, c'est un film de merde. Putain, je suis le dernier avec les échos quoi. Dans Presque Célèbre. Pour quel magazine d'Europe? C'est quoi ce navet là? Dans quel dans Presque Célèbre? Pour quel magazine de rock William Miller écrit-il? Bah, à part Rolling Stone ou le magazine, je vois pas trop ce qu'il pourrait écrire quoi. Bah, le Hit, Miami Hit. Miami Hit. Allez, Miami Hit. Empire? Empire? Oh, n'importe quoi, c'était trop gros pour être vrai. Bon, je suis dernier, ça y est. Bravo, bonne réponse. Hey, bien petit! Bien joué. Ah, y'a une belle team à l'arrière. Ah, y'a une belle. Y'a un beau groupe et tout. Et encore, y'a pas Laura, hein. Dans quelle comédie? Putain, Joey Star. Ce rocker fait-il une apparition? N'importe quoi. Ouais, mais ça, c'est chaud quoi. Sérieux? Bon, c'est du hasard, hein, franchement. Bah, c'est pas Johnny English déjà, c'est pas Watchmen, parce que je sais pas si c'est pas une comédie, Watchmen peut-être, c'est quoi? Et bon, même pas mal, je vais mettre même pas mal parce que c'est un même film tellement mal, minable ouais. Que j'ai pas vu donc. En limite, vu comment c'est en noir et blanc, on dirait le truc de Vincent Cassel. La haine. Ouais, exactement. Parce que lui, c'est Lenny Kravitz, non? Ouais, c'est Lenny Kravitz. Tout à fait, ouais. Bon, mais voilà. Mais Zoolander, c'est quoi le film? Je sais pas. C'est un film avec Ben Stiller, une connerie. Ouais, d'accord. Ah, ça me dit quelque chose. Hein. Bon, on va voir ça. Donc 1500 sur 2000 pour le premier ou l'enfant, c'est qui? C'est Hélène encore là? Jamais. Je crois, hein. Note la misère, hein. Elle est motivée, alors. Ouais, c'est vrai. Dernier, voilà, je change le thème comme ça, peut-être. 3, 4, 4, 4, 4. 4. 3ème, 2ème et 1er.
Premier ex aequo, oui. Ah, oui, oh magnifique là, quoi. Allez, on part, peut s'arrêter là. Il monte sa belette et tout. Kevin, n'importe quoi. Alors je vais choisir un thème maintenant. Un vrai thème. Oh là là, on l'a chaud. Fait historique. Ou ami ennemi, ça peut être marrant aussi. Hein. Ouais, mais fait historique, je sais pas. Bon, allez, fait historique. Fait historique, ça peut être assez intéressant. Ça fait 1000 ans qu'on attend un vrai thème. Je pense qu'on va en perdre quelques-uns. Enfin, je pense qu'on va même nous, on va même pas y arriver comme des cons. 115 Marignan. Ah, en plus, c'est la fièvre des points là, donc là, c'est pareil. Là. 14 juillet. La guerre mondiale de 78. Ah ouais. Soit le premier à donner 6 bonnes réponses. C'est chaud quand même. Si tu mets 6 bonnes réponses d'affilée, on n'y arrive jamais. Hein. Non, faut pas d'affilée. Mais je sais. Ouais, ce serait bien d'affilée aussi. Hein. Ça pourrait durer très longtemps par contre. Hein. C'est de faire monter. Il n'y arriverait pas quoi. Alors que c'est des questions de Mongolie hein, peut-être. Allez, c'est parti. Qui on cet écoute. Homme qui a rétrocédé Hong Kong à la Chine en 1997. Ah, ça c'est facile ça. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'on est obligé à Arun de lui montrer la couleur. Vous montrer à Arun parce que sinon il ne sait pas, il ne trouvera pas. On a beau essayer. Et non, ce n'est pas. Comment il s'appelle ce con là dans Sleeping Dogs? Wei Shen. C'est pas Wei Shen. C'est Wei Shen qui a racheté le pays. Qu'est-ce qui était interdit pendant la prohibition? Oh, on aurait pu interdire les pissenlits parce que. Bon, il y a plusieurs choses, mais je pense que c'est le Sky quand même. Bah oui. La team est lotée. C'est pas la team party, mec. Ah, il y en a un des deux chez Crucioris qui est quand même un peu plus balèze. On dira pas qui, mais on a le classement. Quoi. Permettant d'économiser du papier, Frank McNamara a-t-il inventé en 1950 la carte de... Non, la carte de crédit, c'est français. Mais oui. Ouais. Le sac plastique alors? Ouais, moi je mis sur ça. Ouais, ah non, c'est pas le sac plastique. Et c'est pas la cartonnette. Mais c'est le bidet alors. Tu me dis que c'est le bidet. C'est pas la carte de crédit, c'est français. Mais c'est n'importe quoi, ça, c'est n'importe quoi. C'est une création française. Ah non, c'est la carte peut-être à puce. Que c'est le système de carte à puce. Ah, la carte à puce qui est française. Et la carte à bande magnétique, c'est effectivement peut-être. En quelle année le premier homme a-t-il marché sur la lune? En 118. Attention, attention aux chiffres. Attention, il y a des pièges. Hein. Ouais. Des pièges à con là. Chaud, le vert était pas mal quand même. Ouais, chaud. Il était. Je sais pas comment il sera allé par contre. Il était en avance dans son temps, mec, il a pièces. Enfin, je pensais que c'était avec Picasso, mais 1600 quelque chose, mais... Qu'est-ce qui s'est tristement répandu en Europe dans les années 1300? Chuck Norris, non? Chuck Norris c'est Chuck Norris, putain. Chuck Norris, ah, ça méritait de juste t'appuyer sur Chuck Norris. Je suis sûr que t'as bonne réponse. Je suis sûr t'appuies sur Chuck Norris, t'as déjà 6 points d'un coup, t'sais. T'es en finale, quoi. Tu le valides. Chose, les autres, ils tombent. Chaud, quoi. Moins 1000 à chacun, Game Breaker. Il a découvert Howard Carter en novembre 1922. Les nègres... Bon, ça peut être ça, non? C'est pas très compliqué. Ouais. Au hasard. Ouais. Mais ouais, mais c'est le tombeau. J'ai fait n'importe quoi. On est 4 en 5. C'est un Pierre de Rosette. Mais monsieur, c'est un français. C'était l'autre là, l'autre con là. J'aime bien parce que moi, Arnaud, je lui montre du doigt les réponses et il dit ouais, c'est facile en fait. On est 5 à 5 points là. Putain, rapidité. Quelle ville fut la capitale de Portugal de nanana? Voilà, Paris. Porto. Et non, c'était pas Porto, c'était Rio de Janeiro. C'était Rio de Janeiro. C'est Rio de Janeiro, bien sûr. Ouais. Bon, ben voilà. Il a gagné du coup notre ami Famas sur cette manche. C'est une misère. Hein. On a quand même des points, c'est bon. Il prend 500 d'avance, il en a besoin de toute façon. 100 pour la finale, besoin de ça quoi. Attends. Ça va. Il reste un mode ou deux? Il reste deux. Rapide et. Ah non. Il y a le pari encore? Il y a le pari rapide. Il y a le pari rapide. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, il va perdre. Ça va, il y a le temps, je vais encore choisir. Parce que là on a des points, mais c'est virtuel, on va parier 500 à chaque fois, on va tout, on va bah, tout perdre. Sûr, du jour au lendemain, il n'y a plus rien quoi. À moins que les mecs ils veulent pas parier, mais s'ils parient pas avec tes. Oui, on parie pas, on fait que 50. Hein. Mais c'est rien, parce que genre, si les mecs ils parient 500, ils passent devant, ils veulent tous à chaque fois. Il faut miser sur une. Allez, là je vais choisir un bon thème là. C'est qui est dernier là? C'est moi. Ça a pas réussi ce thème là. Non, Famas il a bien. Oh! Famas va être premier. T'as raison qu'il reste premier quoi, chaud. Je m'accroche. Ouais, ouais, et t'as été rejoint par Famas là. Heureusement qu'il n'y a pas un slot, hein. Ça doit être dur à encaisser. Tu parles, la petite Ligue, elle est là. Choisis la manche suivante. Oh, encore toi. Ah putain. Ah, Atlé. Hein? Mais l'Atlé. Ah, non, j'y connais rien, moi, l'Atlé. Ouais. Franchement, il y a. Bon courage. Musique trop, c'est chaud, quand même. Télé-américaine, c'est film à succès. Film à succès, c'est un truc de quiconque. Bon, télé-américaine, elles ont télé-américaine. Mais là, télé-américaine, c'est chaud aussi. Hein. Ils auraient pu enlever ils ont un peu enlevé américaine parce que tout le monde, la télé, c'est tout le temps américain ce qu'on voit quasiment à la télé. Donc, ça va être des bonnes séries. Combien il y a de saisons dans Les Fous de l'amour? 29 ou 50. Dans une manche que allez. Donc là, c'est Paris, 500, South Park. De toute façon, c'est comme tout à l'heure avec les villes, ça n'a rien à voir. Donc c'est bon, ne vous inquiétez pas.
Il y aura des questions sur l'athlétisme aussi. Comme on a connu. Ouais, l'éclectisme, ça dépend, j'aime bien. J'en ai fait un peu. La polygamie, j'y suis pas allé, mais par contre, si on paye le billet, je vais y aller. Classique. Classique. Avec... Ah, là, c'est classique, c'est connu. Voilà. Allez, on va payer PD, c'est bon. On va tous finir en banqueroute, zéro, c'est pas grave. Tiens, on commence à zéro, là. Quel acteur de cette série a également joué dans la série de... Ah ouais, mais dans Battlestar Galactica. Oh, ça va être la merde, c'est un mec qui a pas joué dans Kiku. Oh putain, on voit sa gueule ou pas? Bah non. C'est dans l'agence Risk. Donc c'est Mr. T. Allez, vas-y, on tente. Il a teinté ouais, Mr. T dans Battle Character. Mais ouais, c'est un méchant, il est noir. Bon, je mets le nègre. Bah, j'ai essayé. Ah, dommage. Ah, oh non. Oh, dommage. Carmel, il a gagné. Il savait, il connaît le Dark et Bénédicte. Oui, c'est bon. Et t'as gagné toi aussi. Oui. Non, mais moins 500. Aïe. Allez, Caramel qui passe deuxième à une première. Oh là 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 là. Heureusement, j'ai gagné la première pour mon niveau. La finale, toujours en finale. Je suis deuxième. Allez, c'est. Ah ouais, c'est parti, je connais. Non, on connaît bien. C'est... Non, je connais, moi, beaucoup, j'ai rien à perdre. Allez, ça va être l'agence touriste là. Merci. Tu vas voir. Tu connais dans quelle série il joue, quoi. Non, pas lui. Ah, c'est Iron Man. Ouais. Cet acteur joue-t-il le rôle de Larry Paul? Holy fuck. Larry Paul. Moi j'aurais mis ça. Bah ça peut être que dans ça. Larry Paul. Moi j'aurais mis ça. Dans quoi? Je l'ai pas vu dans Heroes, je l'ai pas vu dans Ally McBeal. Moi je l'ai vu dans Soprano. Moi je l'ai vu dans Ally McBeal hein. Ah bon? Ah oh shit! Putain, je vais le mettre ça en plus. Il avait une gueule avec Ally McBeal. Et voilà. Voilà comment tu nous remercies. Et pourtant je n'ai jamais vu un seul épisode là. Putain, je suis dernier quoi. Et là. Ah ça va vite, elle est Paris hein. Ça, ouais, on dépense l'argent qu'on a pas. J'ai gagné après la partie donc moi j'avais mon contrat rempli. Voilà, on dépense l'argent qu'on a pas, tout ça. C'est quoi ce sujet? Ça veut rien dire, t'es. Mais t'aurais dit premier film à succès, on est trop lolé quoi. Mais c'est pareil, les séries en lol, attends, Mr. T et tout, t'as vu? Vous placez. Allez, c'est parti. Et on a tous placé 1000 euros. Ah, maintenant ça va être qui c'est? Oh putain. Les experts à New York. Cette série a eu lieu dans plusieurs villes. Mais quelle a été la première? C'est Vegas. C'est Las Vegas. T'es sûr? Mais la première, oui, après c'est Miami, après c'est New York. C'est vrai. Parce que Chicago ils sont pas encore arrivés, y'a pas d'expérience. Ils vont arriver bientôt alors. Tu sais que c'est vrai, c'est Las Vegas, c'est ça qui est le jeu de Las Vegas d'abord. Ah! Bah l'autre il a Kiku trompé, il a pas compris que c'était. Quelle était la première. Non, il savait pas, du coup ils en ont mis deux différentes avec. Ils ont essayé, un qui a mis Chicago, l'autre qui a mis New York. Est-ce qu'en photo c'était New York? Je suis plus dernier, oui non, c'est New York. Voilà, table. Voici une autre question. Sur quoi va-t-elle porter? Oui, sur personnage. Mais comme si on allait changer de pari, on va parier 500, ouais, voilà. 500. Alors, Cru Sirius, Cruci pauvre. Allez, les paris sont faits. Il a peur de finir dernier. Ouais, mais il aurait dû. Là, 900, tu paries gros. Peste, Joan Collins, incarnait-elle dans Dynasty? Non, c'est une blague ou pas? Non, sérieux. Gertrude. Oh là là. Voilà. Quelle peste, quoi, Dynasty, Joan Collins, incarnait-elle dans Dynasty? Alors, Dynasty ou Dynasty Warrior? Dynasty, c'est il y a des années. Bon, il faut forcément un nom à l'ancienne, comme Alexandra, quoi. Mais Alexis, je sais pas. Morticia. Oh putain! Oh merde! Mais c'est un truc de gay, Alexis! Mais c'est un mec ou pas, Joanne? HD, quoi. Joanne, c'est un garçon ou une femme? Incarnait-elle? C'est une femme, homme! C'est une femme! Alexis, c'est une femme! C'est une femme! C'est une femme! Putain, c'est fait zoubir là, c'est fait zoubir même! Moumou zoubir même, ça! Putain, mais dans la merde! Encore les plans! Allez, 500, puisqu'on est dans la merde, 500 juste! Je vais appeler un ami, je vais appeler Cortex! Ouais! Le caramel, je crois! Voyons la question! Non! Oh putain, c'est Adolphe! C'est pas le mec de Las Vegas! Mais tiens, regarde! Les experts! Ah putain, c'est quoi? C'est Nick! C'est Nick son prénom? Ouais, merci! Comment ça s'appelle dans la. C'est Nick! Nick ta mère! Nick! Nick Stocks! Nick Hulse! Bon, moi je mets Hulse! Nick Aladéon! Allez, Nick Trings! Nick Stocks! Non, c'est Trings! Stocks! Ah, c'est Stocks apparemment! Ah! Oui! Je suis pas dernier, putain! Putain, je suis dernier, c'est sûr là! Ah, c'est sûr, je suis dernier! Ah, mais il a pris des joues quand même! Oh putain, je suis avant dernier parce que Chris Cyrus il a. Oh là là, et je crois que c'est fini! Non, non, il est... non, mais il en reste nous pas. Ah ouais, bon, là, je vais jusqu'au bout, allez, c'est pas grave. Allez, Famas, il fait quoi là? Allez, série télé, allez, c'est parti, on y va. Famas, il a pris de. Il a pris de... Je suis dégoûté parce qu'on tombe pas sur des bonnes questions quand même. Il a pris du Red Bull. Famas, il a grotté la télé quoi. C'est si, j'ai peur, moi je prends peur. Putain, mais on veut des questions de géographie. Quoi. Vous si vous avez le plus mal des Français, achetez-le aussi. Hein. Alors, elle est ok. Je déteste. Celle forcément, elle est morte. Dans quel film de Disney cette actrice apparaît-elle aux côtés de David Tomlinson? Blanche-Neige. Ah putain, Marie Poppins, c'est chaud quand même. Bah.
C'est elle qui joue Mary Poppins? Non, c'est pas elle, hein. Non, c'est pas elle qui fait Mary Poppins, mais elle peut y apparaître. Peter Elliot le dragon, c'est non. Shitty Bang, là. Shitty Bang Bang, je connais pas. Mettre l'apprenti. Oh putain, faut que je fais pas. Oh putain, je me suis trompé. Disney, tu vois. Je voulais mettre. Oh oui. Non. Je voulais mettre bleu, mon pouce a mis orange. Et voilà, pouce orange. Putain, pouce vert, même. Magnifique. Du coup, je vais te passer devant. Oh, je suis dégoûté. J'ai mis passe dernier, je crois. Je voulais cliquer bleu. Ah non, parce que là, Crispy Pop. Je voulais cliquer bleu. Et j'ai cliqué orange, quoi. Et ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, je pense que là, j'ai pas gagné. Et Caramel est devant Asdoun Show, quand même. C'est vraiment une question de nos skills. Hein. Je pense que je vais pas gagner, hein. Ouais, il reste une question, enfin, il reste des trucs, hein. Le problème, c'est que ça sent en fonction des écarts, en fait. Même si le dernier a 4000 points, ouais, mais si j'ai tout juste, faut quand même accumuler suffisamment de points pour sauver la mise. Oui, mais le problème, c'est que la chance. Ça sent en fonction. C'est la chance. C'est la chance. J'ai gagné tout à l'heure, j'ai même pas fait exprès. Le jeu, il a switché. C'est bleu après. Les gris. Non, les bleus. Les noirs. Les gros, il a noir là. Choisir. Attention, c'est moi. C'est toi, Caramel. Lundi, la conquête. Oh, lundi. Putain, lundi, c'est lundi, quoi, ça me bug bien. Le lundi au soleil et tout, tu vois. Mais ça va être un jeu de mots sur les deux lundis, tu crois? Oui, c'est des jeux de mots. À la conquête de l'os, c'est pas mal non plus. Pour ceux qui aiment bien les stagies, comme ouais, mais l'artiste, c'est quoi? Non, bleu, vert ou jaune. Hein. Et si tu choisis pas, ça fait quoi ton lundi? Sans choisir, fais lundi. Non! Si, parce que c'est des jeux de mots, ça va être genre. Lundi à Bamako, parce que c'est le jour de mariage. Non, c'est dimanche. Et c'est dimanche, tu arrêtes. C'est dimanche, tu arrêtes. Stop pronom. Ça va être horrible. C'est le même set que tout à l'heure, stop pronom? C'est pas réflexe ou quiz? Ah non, c'est ça. Réflexe ou quiz, c'est quand tu gagnes que 450 ou 300 ou 250. Quand on joue à 4, c'est le. Les points sont c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis les tartes au. Mais oui, ils volaient les points aussi. Ils tombent à la fond, on veut la bombe aussi. Ouais. On veut la bombe en plus. On veut la bombe. Allez. Un mob. Qui a chanté le lundi au soleil? Ben voilà, tu vois, c'est ça quoi. Putain, c'est lui, non? C'est Jean-Paul Huchon. C'est l'ami électrocuté. L'ami des électriciens. Bricomane. Comme quoi le bricolage, ça s'invente pas. Si j'assure minimum 3000 points, genre 2-3000 points. Ouais, peut-être alors j'avais quand même 6000 points presque. Ouais, là, ouais. Faut que j'assure 3000 points. Non, mais 3000 points, c'est en fonction du ratio, la hauteur en fait, c'est tout quoi. Mars 2008. Putain, le lundi 24 mars 2008. Quoi, mais j'en sais rien, moi, tu sais. Le lundi 24 mars 2008. Il y a 50, ils sont gentils. Ouais. Bah, c'était le lundi de Pâques, sûrement. Pentecôte, moi. Pentecôte, c'est vrai, celle-ci, ça aurait pu être, mais c'est assez tôt quand même, non? Ouais, c'est Pâques. Ouais, c'est Pâques. Ouais, mais pourquoi lundi 24 mars? C'est au mois d'avril. Mais non, parce que Pâques, ça change tous les ans. Une seconde. C'est toi. Attends. Ouais, mais c'est quoi? C'est que. Ouais, franchement, lundi, bravo. Ouais, un grand bravo à lundi. Moi, j'ai vu la conquête de l'Ouest avec des questions mais sur. Mais tu parles, ça aurait été sur. Sur Connor Kenway et tout. Lundi. Quel mot a inspiré le mot lundi? En lune. Bah, parce que la licorne, c'est Narwhals. Truc de la. De Nuf là-haut. Putain, je suis dernière. Lune. Il faut que j'assure 3000 points quand même. Pour l'instant, ça va. Le problème, c'est qu'on maintient les écarts, comme on a tous des bonnes réponses là, personne se double. Parce que là, tout le monde va avoir des bonnes. Au moins, ça monte. Hein. Ouais, tout le monde va avoir des bonnes points. Allez. A sorti le titre, Blue Monday. Voilà. Oh, ça va être ça, non? Ça va être un truc de gay, ça. Un hasard. Un truc de gay, ça va pas. Oh, j'en sais rien. Attends. The Cure ou Dépêche Mode? C'était. Ouais, c'est pas ça. Là. Ouais, je mettais genre un peu. C'est mieux que c'était beau. Ah, tiens, putain, voilà, j'étais sûr que c'était sûr. Mais c'est quoi ce groupe? Je sais pas. Elle est, je crois qu'elle est en même dans un GTA. Ah bon? Dans Vice City, tiens. Ah bon? Vice City Story, l'un des deux. Ah, peut-être, ouais. Dans la comptine, lundi matin, qui vient avec l'empereur et sa c'est une blague? Louis. Le chien, le bouffon. Ouais, le bouffon. Ah, moi j'ai 498, j'ai cliqué derrière, il sera en train de se faire. Caramel. 498, tu vois, il a dit là. Ah, le petit prince, et il les a en plus. Juste perdre 2 points, quoi. Caramel. La caramel. Je ne me suis pas fait avoir. Tu l'as dans ton peu clé, j'ai dans thème, des beaux thèmes. C'est un 1600 points, et là je vais aller en prison, c'est sûr. Ah, mais tu vas même pas jouer, hein. La dame à la landée. Oh non, c'était Umberto! J'ai mis Roberto comme un violeur en prison, quoi! Umberto, mais c'était Umberto, j'ai mis Roberto comme si c'était un violeur. Ouais, c'est Eduardo. C'est Eduardo, c'est qui Eduardo? Merci. Par Eduardo, je sais pas qui. Hein. Bon, j'allais sur 2K. On a eu des bonnes questions, les gars, là. Oh là là, c'est des thèmes pourris. Hein. Tout de suite, j'ai pas choisi un thème. J'aime bien quand on fait des bonnes journées buzz comme ça, là. T'as écrit le tube des Bangles Manic Monday. Attends, des. Ah ouais! Bon, lui peut-être. Pascal. Ah, déconne pas, c'est peut-être vrai. Hein. Moi j'ai mis prix. Mais... voilà. 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 C'est pas possible. Clairement, je perds pas des points quand j'ai la mauvaise réponse.
les neurones maculent. Oh là là, votre son Asdoun, c'est bon, t'es quand même sauvé. T'as 5000 points, Famas. Putain, il est chaud, ah, mais... il fait quoi, il a tout à côté derrière vous. C'est pas lui qui joue, je pense. Après non. Le crack boursier, comment a-t-on appelé le... Ah, enfin. Ah, putain, des vraies questions, quoi. C'est même un The Gateway. Black Monday. Voilà, putain, tout de suite là, on a plus, tous plus de 4 de 400. C'est ça les vrais lundis qu'on veut, tu vois. Pas de vie de tapette là. C'est fini, je crois. J'entends bien. En fait, comme le jeu en fait il date de 2009-2010, ça qui me parlait du lundi de Pâques de 2008, mais maintenant, quand tu joues en 2013, tu sais plus que c'était en 2008, enfin, que c'était le 24 mars en 2008. Quoi. Bon, voilà, final maintenant, on a eu des thèmes assez chauds quand même. Eh, hey, je mise tout sur la chance. Ah, c'est Pablo, je crois là. C'est Pablo. Je suis 5ème, hein. Eh ben non. Ah, Asdoun, malheureusement, qui est plus premier. Ah, non, là, le lundi m'a fait mal. Ah, le lundi, c'est dur le lundi, hein. Ça fait mal. Qu'est-ce que c'était dur. Ah, c'est chiant le lundi. Ouais, Famas, il va essayer de répondre aux questions, il va perdre. Mais c'est marrant parce que dans Quizzor, ils ont fait vraiment des thèmes bizarres, t'es genre un thème ultra précis, tout des questions sur le lundi, quoi. Donc, c'est. Mais le plus mal à des Français, c'est pas mal quand même. Bah, non, le plus mal à des Français, c'est plus classique, mais c'est plus intéressant parce que c'est plus pointu, ça va être vraiment des questions de l'histoire ou de la politique, de la géographie, de la musique, mais tout sur le français en fait. Ouais. Là, c'est des thèmes, tu sais pas, en fait, tu peux même pas les résumer dans Quiz World. C'est des thèmes qui sont sur n'importe quoi en fait. Hein. Il est tellement généraliste. Ouais, mais il y a de tout. Et ça te fait un thème précis sur juste le lundi, quoi. Ça te fait des questions sur le lundi, quoi. Donc ça règle un peu à rien. C'est des questions sur les villes. T'avais des quoi. Thèmes où il n'y a pas ces thèmes là, tu sais, quand les réponses apparaissent, ça n'est pas là. Non, dommage. Et voilà, vous avez vu cette hauteur. J'ai vertige. Je vais gagner avec cette hauteur. Je crois qu'il va pas bouger de là. Allez, attention, ça va crier parce que là, c'est la finale. Faut qu'au moins un de nos trois gagne. Hein, mon objectif, c'est de ne pas être éliminé le premier. La première question. En 2009, ouais. Quel réalisateur a reçu la Palme d'Or au Festival? Putain, c'est l'autre là. Bah non, c'est putain, c'était Michael Haneke. Le candidat qui a répondu. Ouais, il dit bleu. Hein. Oh là là. Attends, je suis là, moi, chaud. Merde. De la zone rouge. Sous quel surnom les fans connaissent-ils Florence Griffith-Joyner? Ah, ça clique. Oh oui, oh, c'est le premier. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Oh non. Voilà. Bon, c'est plus le vert, le jaune. C'est plus le jaune, oui. Allez, c'est le orange. Qu'est-ce que l'on peut servir? Ça fait longtemps l'orange. Miroir ou molette? Vert. Oh, c'est le vert. Ah non, c'était le vert. C'est le vert. Tout le monde le juste. Mais est-ce que tout le monde s'est dit c'est le orange, c'est le vert? Et maintenant c'est le bleu. Maintenant c'est le orange. Non, il n'y a pas de justice, c'est le jaune. Putain, je vais mourir. Ah, c'est Henri. C'est Henri 8. C'est bleu. Putain, c'est pas l'orange, j'ai perdu. Ah non, ah, j'ai perdu. Voilà. La Mastico. Au revoir, Gérard. C'est pas grave, j'ai gagné tout à l'heure avec une belle victoire. Attention, faut qu'on gagne là. Non, c'est un coup de poing. Plaquage. Non, c'est, ok, je sais pas. C'est un plaquage, putain. Oh putain, faire du caramel quoi. Et deux systèmes qui gagnent, c'est chaud. Faut qu'on gagne. Hein. Antoine, ça va? Simon, il est chaud, enfin, Maz aussi. Allez, attention. Wow. C'est pas l'autre, la conne là? Mia Fry. Si, c'est elle, c'est Mia Fry, tu vois, chaud. J'ai même utilisé le vert. Oh putain, coup Sirius. Qui c'est qui est monté? Oh. Salut Cru Sirius, merci. Et il était pas mauvais pourtant, je crois. Non, non, non. Des points, hein. Non, non. Qu'est-ce comme que quoi vous ne pouvez plus faire au restaurant en France? Ah, fumer. Fumer, vas-y. Fumer. Orange. Parlez chinois. Mangez du kebab. Dans la question raciste. Marine est passée, c'est ça. On a plus le droit, quoi. Non, je suis con, j'ai recliqué sur l'orange. Oh putain, doudoune, doudou. Bye bye. Faut dire qu'on a eu des thèmes de merde, hein. Non mais. Malheureusement, ça s'arrête là pour toi. La sentence est tirée. Allez, 2 CTM versus 2. Oh, c'est le jaune. Oh, c'est bon. Oh yes. Oh yeah. Allez, dégagez. Allez, faut que tu gagnes, Gino. Le vert orange, vert orange, vert orange. Route, quand tu tombes, t'as tranché l'aile, hein. Ah putain. Ouais, c'est pas, c'est où ça, en France? Stand-up. Australie. Ah, chef. Mais non, c'est autre chose, hein. Il y a une erreur là. C'était faux la question. Elle est morte, elle est morte. Mais attends, il reste pas mince là. Je tombe, moi. Caramel. Allez, appuie. C'est bleu donc maintenant c'est orange. Je traînais pas. Ou jaune. Dans la NFL. Ouais, jaune. Moi je clique jaune. Orange. Appuie ou allez, mais oh putain, réponse. Oulala. Mais oui, c'est le Ave Maria. Mais j'ai jaune, voilà. T'as juste. Attends, j'ai cliqué jaune. Putain, t'as pas cliqué jaune. J'étais comme ça depuis tout à l'heure. Ça lag. C'est vrai. Jeu de merde. Allez, Famas. Jaune. Ça peut pas être jaune. Orange. Ah, c'est pas l'orange, j'ai perdu. Putain, t'as perdu. Ah, perdu. C'était le bleu. Non, c'était le bleu, putain. Bon, voilà, Famas qui gagne. Il avait plus de 6000 points aussi, le mec, donc voilà quoi. Finalement, vous l'avez quasiment rattrapé, hein, malgré son. Ah oui, non, mais ça c'est la technique, ça, c'est la technique du clic.
Ça fond vite hein, quand même l'avance que t'as. Oh mon dieu. Okay. Donc voilà, on va pas faire une troisième hein, malgré qu'il y ait une victoire abonnée, une victoire. Victoire CTM, une victoire abonnée. On va se quitter comme ça. Il est chaud bouillant là, il se fait quoi là? Il va la casser, je crois, non, t'sais. Il va te porter fin, ça. Casse tout. Non, il va tomber dans les pommes et il va faire sonner le gong. Voilà. On remercie tous les abonnés qui ont participé. On remercie Asdoun de nous accompagner sur Skype. J'espère que t'as passé une bonne heure avec nous sur ce défi. Ah. Je me suis bien amusé comme d'habitude. Comme d'habitude on a des questions de merde mais ça va. Quoi, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de revenir sur Buzz. Hein. C'est vraiment un jeu où tu prends une heure dans même la, pour les soirées franchement dans, si dans une pas soirée ou ouais. Dans un moment dans un week-end tu t'amuses forcément parce que c'est vrai que c'est tellement stressant et tellement con par moment que t'as envie de tout le temps se foutre le bordel quoi. Donc ouais, si vous l'avez pas prenez-le parce qu'en plus c'est vachement avec des amis tu vois. Non entre potes hein, entre soirées tout simplement. C'est Kevin qui a fait le plus de mauvaises réponses. Je sais pas qui c'est Kevin. Jean Kevin quoi. Ah mais bon voilà. Donc on vous remercie tous, on va essayer de poster ça, mais de toute façon on poste une vidéo pour vous. On verra ça quand ça viendra. Je vais voir au montage comment je peux régler tout ce son. Il y a beaucoup quand même. Ouais, plus agressif Kevin aussi. Kevin. Je sais pas comment on fait les plus grands noms de raillerie. Plus grand nombre de sections effectuées Kevin. Bah, c'est moi qui choisis à chaque fois, ah, pas test, c'est moi qui choisis. Donc voilà Buzz Quizboard, un bon party game. Oh, non, il y a, non, il y a, hein. Il y a